Martin Ménard, journaliste pour la Terre de chez nous. Alors, nous sommes ici à Montérégie, à Sainte-Madeleine, où les producteurs se dépêchent de récolter tout ce qu'ils peuvent avant la pluie. La pluie et la boue, c'est ce qu'on annonce pour les prochains jours, et c'est ce que les producteurs ne veulent pas. Souvenir de l'an passé, où de nombreux hectares de culture ont été laissés au champ en raison d'un automne pas commode. Que... disons qu'on bat, là, mais le terrain, vu qu'il mouille souvent, le terrain est quand même bien mouillé, mais seulement qu'on vient à bout quand même de fonctionner sans faire de dégâts dans le champ, puis là, ça récolte quand même bien. Fait que c'est, mais c'est mouilleux. C'est pas stressant, mais ça pourrait être mieux. Est-ce qu'avec la pluie qui s'en vient, ça pourrait retarder vos travaux? Dans le moment, le soya, il m'en reste bien pour une journée, puis après ça, je vais avoir fini. Après ça, on s'en va dans le maïs, et puis dans le maïs, c'est moins pire un peu. Ça fait qu'on a du temps dans le maïs, on a encore 15 jours, 3 semaines, encore facilement. Oui. Dans le maïs, on n'est pas ça, on a laissé 60-70 autres dans le champ, là, que c'était pas récoltable, il était à côté de la terre bien dur, là, comme si il a passé un rouleau. Ça fait qu'il n'y avait plus rien à faire, ça ne se récoltait pas du tout, du tout. Puis surtout dans la terre noire, là, il n'y avait rien à faire, c'était pas récoltable. Ça fait que c'est une perte totale. Il y a des gens aussi, quand c'est le soya, qu'il y avait trop plu, ils n'ont pas réussi à se battre. Oui, le soya, l'année passée, moi, c'est sûr qu'on a fini assez vite. On n'a pas eu de problème, nous autres, là-dessus, sur le soya, je ne sais pas. Mais il y en a d'autres qui ont eu des problèmes de récoltage de soya aussi, mais ça a été plus le maïs qui a eu des problèmes. Parce que lui, il s'est accouché, au moins le soya, il s'était pas écrasé. Mais ici, votre récolte de soya, présentement, est bonne? Bon, c'est une année normale. Il y a des champs qui sont en dessus du normal, il y a des champs qui sont en bas du normal. La sécheresse était forte. Ça fait qu'un dans l'autre, c'est une année normale. Pas plus, pas moins. Dans le maïs, êtes-vous au courant si c'est bon? Je ne sais pas, je n'ai pas récolté. Ceux qui ont commencé, ils m'ont dit que c'était pas plus fort qu'il fallait. Qu'il y avait manqué d'eau. C'est sûr que la sécheresse était quand même un mois et demi qui n'a pas mouillé. Là. Ça fait que on va dire comme des fois, on va vivre avec ça. On va vivre, on va venir en bout d'arriver à... Mais le maïs, c'est sûr qu'il y en a qui... Ceux qui ont commencé, ils ont dit qu'il y avait des rendements moins hauts.